Les souillons ont fait leur choix. C'est au tour de... Préparez-vous. Ça va chier. Come on in, see my fire. Alors, ça vous a plu? Ouais, hein? Bon, ne me redemandez plus jamais de faire ça, d'accord? Oui, d'accord. D'accord. Non, mais je rigole pas. Bon, alors, vous êtes prêts pour le roi lion, ouais, les enfants? Hein? Ça oui, alors. Vous préviens, c'est tristounet, hein? Pas la peine d'aller chialer dans les jupons de vos mères, surtout la tienne, Kevin. Je veux pas la voir. Elle est déjà assez vilaine comme ça. Allez, 3, 2, 1... C'est des antilopes, des gaz... Enfin, gros buffet pour les lions à ce moment-là. Hein. Après tout, la jungle, c'est une grande famille, hein. On a pris les boules de pétanque, on est tranquille et détendu. Voici donc l'histoire de Mufasa, le roi lion, qui au début fête la naissance de son fils, Simba, accompagné de son épouse. Également de ses escort girls, qui se cachent à l'arrière de la grotte, hein, par souci de réalisme, bien sûr. Tu fais quoi, là? Vas-y, dis-moi que ça part, là, vache, s'il te plaît. Eh, vas-y, dépose ça, je rigole pas. Eh, vas-y, reste calme. Ça va, t'as fini? T'as fini, c'est bon? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mufasa avait un frère nommé Scar. Comme sa cicatrice sur l'œil, il démarre bien dans la vie, celui-là. Adieu. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture? On en parle de son accent, deux minutes? Non, ma mère ne m'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture. Non, et sérieusement, il a migré trop tôt vers la Belgique, ou c'est quoi le... Gars, fallait pas venir chez nous, t'es con, quoi. Mais c'est l'odeur des frites, j'ai pas résisté. Je vais vous demander de nous respecter, monsieur Perruche. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Wow. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière. C'est terrifiant. C'est chouette, hein. Minou, minou. Il m'a désobéi délibérément. Délibérément, ça veut dire qu'il y a réfléchi, les enfants. Il savait que c'était interdit, mais il s'est quand même dit, bon, bah, je vais quand même tester. Tu me déçois beaucoup. Je sais. Tu aurais pu te faire tuer, tu m'as désobéi délibérément. Je sais. Deuxième fois quand même aujourd'hui. Mais toi, tu n'as peur de rien. Aujourd'hui, si. Alors même les rois ont peur. Mm-hmm. Et tu sais quoi? Quoi? Je crois que tu as eu peur délibérément. Bien joué, enfoiré. Séparera jamais. Ben non, bien sûr, Simba. Éloignez-le, s'il vous plaît. Faut pas oublier que c'est Scar qui l'a chauffé au départ, hein. Et avec l'aide des hyènes, il compte bien tuer Mufasa. Bien sûr. Oh, c'est pas vrai. Ton père a une très belle surprise pour toi. Je vais aller le chercher. Attends, je viens avec toi. Non. Ok, ça va, Scar. Pas la peine de t'exciter. Très bizarre, Scar. Non. J't'ai alors, mon petit cucus. En vérité, les enfants, Simba a eu sa chance. Il aurait pu sauver son père. Allez savoir pourquoi. Simba est en danger. Aide-moi! Alors ça, les enfants, c'est l'ADN de Disney. Je ne compte plus le nombre de Disney où le gosse prend perpète. Orphelin, la mère meurt, ou le père, voire les deux. Non, c'est à croire qu'ils veulent directement vous calmer, en fait. Allez, viens, garde-moi. Oh non. Ils joueront ensemble pour toujours. Tu te réveilles. Mais bon, j'exagère un peu, mais bon, c'était pour donner l'image, quoi. Tu te réveilles. Viens. Rentre. Allez! Hé, hey, Simba, ça sert à rien! S'il vous plaît! Je sais, Simba, je sais! Qu'est-ce que tu as fait? Bah, rien en fait. Pars très loin et ne reviens jamais. Tu es le. Pour Scar, c'était le moment idéal, hein? Le moment où jamais. En l'occurrence, ce sera jamais. Simba s'enfouit de peur et de tristesse dans le désert, où il croisa la route de Timon et Pumba, un suricate et un porc. Monsieur Porc! Oui, bon, ça va. Ah, bravo, monsieur! Bel exemple pour les enfants! J'avoue qu'elle était belle. Hakuna Matata! Ça veut dire pas de soucis! Sans aucun souci, philosophie,
même si t'as tué ton père. Tu peux encore partir, hein. Il est pas trop tard. Ça fait maintenant 5 ans que tu chantes cette chanson. Alors, c'est bien d'être relax, hein. C'est une bonne chose de pas être trop stressé. Mais il faudrait peut-être penser à construire une famille, hein. Trouver un travail, faire quelque chose de ton existence. Tu crois pas? Elle essaye de me bouffer! Hein? Nala? Cette retrouvaille inattendue et pour le moins inespérée, merci Nala, nous prouve au moins une chose, les enfants. Simba est nul au combat. Et devrait s'inquiéter pour sa survie. Tu crois? Prends des cours, Simba, hein? Fais quelque chose! Commencer par arrêter de bouffer des insectes peut être une piste! L'amour brille sous les étoiles. Eh ben, il perd pas de temps, l'amour, hein? Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes impossibles? Pas lui en parler. Quel nouveau secret cache-t-il? Je suis vierge! Puceau! À ce moment-là, les enfants, Simba ne sait pas trop quoi faire. Mais il sait ce qu'il attend. Un lit de cafard sous un tronc d'arbre ou un lit de gonzesse dans une caverne. Bah ouais, c'est pas évident pour tout le monde apparemment. Elle a tort. Ça ne prouverait rien. Ça ne changerait rien. Non, non, ça n'est pas prudent, Simba. Allez, porte tes couilles, Simba. Reste, tu ne mourras jamais de faim ici. Allez, tu vas pas rester vierge toute ta vie, Simba. Pour tenter de le convaincre, un espèce de babouin lui fait miroiter que son père est encore vivant, dis donc. Il est vivant. Il vit en toi. Il vit surtout dans l'eau, c'est tout ce que je vois. Oh, vertu! Reprendre ma place. Mais c'est pas par là, mec. En attendant, le Scar, il s'est quand même entouré d'un bon paquet de hyénas, hein. Qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser d'elle? Les appâter. Je m'occupe de Scar. L'heure de la confrontation entre Simba et Scar a sonné. Bon, je prends le pari, les enfants. Qui vote pour Simba? T'es sûr? Au courant qu'il s'est jamais entraîné, hein. Qu'est-ce que c'est que cette devise? C'est moi qui ai tué Mufasa. Assassin! Encore et toujours cette petite erreur! Bon, où est-ce qu'elles sont, mes petites? Hein? Elles se cachent derrière vous, c'est ça? Allez, viens dire bonjour à papa. J'ai pas mal d'années à récupérer, hein, donc au boulot. Crazy mother... Le sort du prochain est déjà scellé. N'oublie pas de t'abonner, ma gueule. Franchement, c'est important, t'abonner, ma gueule. Abonne-toi et te rends un chocolat.